Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Abdul FIFA Pro. J'espère que vous allez être super bien. Mais moi perso, ça va bien. Merci beaucoup à cette journée de tempête de neige extrême. Mais oui, bon, je pense que l'hiver va définitivement se poser. Il était temps parce que c'est le 12 décembre à l'heure où je filme cette vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de notre même et unique série, donc FIFA 19 mode Ultimate Team saison solo. Donc voilà, juste pour vous dire en passant, désolé pour la dernière vidéo, hein, j'ai juste pour vous montrer les deux derniers matchs, j'ai un petit problème technique concernant mes fichiers, comme j'étais plus capable de lire mes fichiers, je n'ai aucune idée pourquoi. Peut-être parce que ça prenait trop de place dans ma clé USB ou je sais pas, le transfert s'est mal fait vers mon ordi, peu importe, il était comme inutilisable. Il est endommagé, en gros, c'est ça. Et j'ai aucune idée de ce qui s'est passé là. Bref, je pouvais plus les mettre sur mon logiciel de montage, donc malheureusement, c'est ça. Mais je sais pas si ça vous dérange pas trop, vu que justement, il y a plein. J'ai joué au total 10 matchs cette saison-là, donc 10 matchs ça devient long. Donc, juste une nouvelle mise à jour, je vais checker ça. L'impact de... Ok, au niveau du jeu, ils ont changé... Heights... Jouabilité... Y a-t-il des nouvelles là? Oh, ça me tente pas de lire tout ça. On checkera en temps zélé. Deux choses sur la prochaine vidéo, regardez la description de toutes les machines YouTube, mes pages sociales, mes comptes personnels YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Skype, 100%, donc je vous invite à me suivre. Également, vous trouverez en haut à droite une carte coordonnée, les trois, mes trois autres chaînes YouTube, activement Abdel Gaming, Abdel FIFA Dash, Abdel Foot Soccer, donc je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, bref, faites tout ce que vous pouvez pour m'encourager, ça sera très apprécié. Il y a aussi la liste de lecture complète de la série FUT 19, mode Ultimate Team, saison solo, et aussi l'épisode qui suit, donc la dernière épisode, qui est l'épisode numéro 10. Donc si jamais Napoléon ne vous en faites pas à 100 vies, c'est là dans le fond dès que vous avez fini cette vidéo, allez la checker. Donc peu importe que c'est dit, on revient à la vidéo. J'ai un petit pack à ouvrir, pack Jumbo Premium. Ah, dans le fond c'est un pack gratuit que je reçois chaque dimanche à 8h du soir, vu que j'ai acheté la Ultimate Edition. Pas de walkout, on skip ce live. Fuck you EA. Ici, ouais, c'est dégueulasse. On va juste jeter ça. Quand même des formes, c'est bien. Oh. On va se faire un peu de crédit comme ça. Oh tabarnak, non, je voulais pas faire ça. Oups. C'est parce que justement, j'ai joué à FUT 18 tantôt. Et il y a vraiment quelque chose de très spécial qui est arrivé. J'étais allé en Coupe du Monde. Et puis, j'ouvre un pack. Dans le fond, j'avais des packs gratuits. Parce que genre j'avais déjoué des matchs et tout. Et dans un pack qui donnait un joueur, si vous vous souvenez bien, donc dans le fond, chaque fois que je jouais un joueur, chaque fois que je jouais un match, ça donne un pack gratuit. Et donc, c'est ça, j'ai décidé d'en ouvrir un. Et puis, c'est la grande surprise est arrivée. J'ai packé Cristiano Ronaldo. J'étais blow mind, j'ai pas. Yo, j'étais genre, what the f... C'est sûr que genre, on s'en fout là, tu sais, c'est FIFA 19, c'est mort là, FUT 18, c'est mort là, mais pareil, je suis pas que Ronaldo au calme, alors que personne s'en attendait. C'est quand même assez spécial, disons. Donc, c'est ça. C'est ça, j'ai pas avec Ronaldo. Pour si vous voulez la preuve, dans le fond je l'ai mis en story sur mon Messenger. Je pourrais mettre la photo sur la page Facebook de la chaîne. Donc voilà, assez parlé. Allons choisir notre ligue. 4100 crédits, pack Jumbo Premium 11. Je suis tenté pour elle. Vu que... Oh, c'est le même nombre de points. Donc je suis tenté pour elle vu que ça rapporte quand même pas mal. Mais checker contre qui on joue et le niveau surtout. C'est trop dur. Que des matchs légendes contre des équipes. Non, je peux pas gagner ça. Moi je suis tenté. Argent, Jumbo, pack contrat. Je suis tenté pour prendre celui-là. Pack Jumbo, premier bronze, ça peut rapporter du cash. C'est-tu facile ça? Ouais, c'est champion, mais c'est contre des équipes une étoile. Bon, au calme. Et il faut 26 points pour remporter le championnat. Donc, yes sir, on va choisir celui-là.
D'abord Domino's League 2, légende, champion, légende. Ouais, ça rapporte moins celle-là, anyway. Let's go. Let's go, les amis. On choisit cette saison. Donc voilà, c'est l'avant-dernier épisode, les amis, officiellement. C'est l'épisode 9. Donc la dernière, c'est l'épisode 10, comme vous le savez. Et nous sommes prêts. Les joueurs sont prêts. On a mis du fitness tantôt. Tout est beau. Donc, here we go, guys. Allons jouer le premier match de l'épisode et de la saison. Alright les amis, voici le premier match de notre saison en Division 2, yes sir. Donc Division 2, on est pas mal allé loin. On joue à domicile contre Icostar au Stadion Neder, yes sir. Présentation des arbitres, des joueurs, du stade, blablabla. Guys, let's go les amis, c'est parti. Oh non, il y avait le trou, trop tard. Let's go, et voilà. Ça c'est un but assuré. There we go, first goal of the season. Premier but de la saison, premier but de l'épisode et premier but signé Wissam Ben Yedder. Premier but de la saison, premier but du match, premier but tout simplement. Let's go guys, on lâche pas. C'est le... Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh. Il a raté. Il a raté. Voilà. Voilà, let's go. Oh, quel but. Quel but. Quel but. Waouh, waouh, waouh. Il a trop bien joué ça. Il... Quel but de Dembouze. Quel but. Oh, je pense que c'est son plus beau but de la série, carrément. Checkez-moi ça, man. Whoop. Il y a des joueurs. Un deuxième, un troisième. Et il finit au ras du poteau. Poteau en... Oh my god. Je suis en amour. 2-0, guys. Let's go, on lâche pas. Ouais, 26. On joue tellement serré sur le, au milieu, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est marqué. Je veux dire qu'on mène. Deux buts d'avant, c'est déjà bon. En champion en plus. Guys, on lâche pas. Oh, wow. Comment ça a pu passer, mais au moins, c'est pas grave. Opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface. Allez dans le corner. Oh, ce qui est... Oh, stab. Oh, j'haïsse. Oh, j'haïsse. À chaque fois le même bail. Hey, fuck you. Charme mon gardien. Si, il est pas capable de le pogner. Hey, fuck you, man. Fuck you. En plus, faut pas se faire encaisser d'autres bulles. Voilà. Assuré. Let's go. Et voilà. Bien joué KDB. Un but, un assist aujourd'hui pour lui. Ça doit être certainement. J'ai comme une douleur. Certainement l'homme du match. Allez guys, on lâche pas. Tout seul sur le côté. Ah ouais, rentre au milieu parce qu'il n'y a personne. Et retrait maintenant. There we go. There we go, Kylem. Wopa. La magie de Wissam Ben Yedder. Doublé aujourd'hui en passant pour lui. C'est un petit nain qui marque plein de buts, c'est bien ça. Let's go guys. On lâche pas. Ah, let's go. Pour Rodrigo qui finit. Wow. Hey, qu'est-ce qui se passe là, l'autre équipe? Tout d'un coup ils sont merdiques. Yo, c'était dur au début, puis là, tout d'un coup on les nique là. Bon ben on lâche pas guys. Hein, c'est pas fini. Ah, c'est ça je pensais. Yo, on a quand même failli. Il part en échapper Rodrigo, dommage pour lui, mais c'est ça. On sera en calice. Half fin du match. 5-1 victoire, c'est bien. On a gagné un match, il en reste 8 autres. 8 autres victoires à aller chercher. Allez guys, on lâche pas. Alright les amis, voici à l'instant le deuxième match de notre saison en Division 2, les guys. On joue à domicile, premier match à domicile de la saison contre Sandefjord. Sandefjord, je pense. Erwin Matteau Pernisson, commentateur, présentation des arbitres, des joueurs, du stade, du staff, de tout, présentation de tout ce qui a rapport avec le match. Guys, coup d'envoi à l'instant, on lâche pas. Voilà. Voilà. Comme tantôt, s'il te plaît. Oh my god. Oh, oh, oh.
Waouh, yo ce gars-là, yo ce gars-là, c'est une légende. 82 noté, mais tabarnak, on dirait un 88. Pourtant, Tabarnak, dernier avait boum, touché. schlop, Ah, schlop. dommage, il a réagi avec un Wow. 10 secondes trop tard. Wow. Il s'est tapé la défense au Et ça fait complet, donc qu'est-ce que. 1-0 au tableau d'affichage. Let's go, guys. On lâche pas. Wissam Ben Yedder. T'es plus vite. Centre en retrait. Oh, le There ballon we joué. go. Et Oh, KLM. Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. Yes, sir. Martins mais qui c'est marque son premier but de trop la tôt pour saison. s'endormir. Il faut Yes, surtout sir, pas se relâcher guys. maintenant. Ça va très bien. Depuis que Dembouz a Il marqué, s'accentue là, leur on est avance. chaud. Le tir. Oh là Le là. gardien qui remporte son duel. Yo, man. Yo les gars, je voulais juste vous dire, Dembouz là, Voilà, il les vaut uns les quoi? autres Je l'ai vont acheté pour regagner les 1000 piles, vestiaires moi. avec déjà un avantage. En offre, je l'ai eu pour 1000 piles, puis oh, il est tellement bon. Même chose Martins. Je vous jure les gars, pour bien débuter sur FIFA là, si vous voulez faire une Liga absolument là, c'est Rodrigo, Ben Yedder, Martins, Dembouz, Carvajal. C'est ça, j'ai De Bruyne, David Silva, j'ai Zépak, donc j'ai acheté Company, puis Stones, plus Bravo, question de collectif, mais c'est ça, là, comme vous voyez, les quatre Les premiers bons joueurs que j'ai échanges nommés, là, ont c'est été ça, pour chargés faire de une Liga, batterie. là, C'est et reparti pour bien 45 débuter, minutes. c'est eux les meilleurs. Donc voilà. Rodrigo ne gagne pas la tête, Ouais, la mais frappe. la... Oh, Oh, le ballon turc et tabarnak! le poteau. Holy Jesus! Gelson. Allez, le ballon en Let's retrait. Retrouve en go! finesse, c'est parfait. Quel pas de Let's sang-froid. go! Beau jeu, pareil, beau jeu. Très beau jeu. Et très J'aime ça. large grâce à ce but Longue balle pour les joueurs de la de Manif. Pour le match KDB. maintenant, bah, ils ne veulent rien En subir. retrait pour Chose. Et Chose 2, marque. Il En semble retrait pour prendre un Martins et avantage quasi Rodrigo. décisif. Termine l'action. Guys, on lâche pas. Et voilà. Et En voilà, c'est KLM, fini. victoire 3 à 0. L'équipe qui fait. Premier match 5 à 1, deuxième match 3 à 0. Donc une autre saison qui devrait être assez posée. À part les matchs en légende, ce sera pas facile, mais ne vous en faites pas. On peut bien se débrouiller. On est donc à 6 points. Il nous manque donc 7 victoires à aller chercher. Guys, allons faire ça. Let's go, c'est parti. Let's go les amis, le troisième match à l'instant de notre saison en Division 2. Donc on C'est affronte joueur qui à vient de signer et deux buts l'extérieur confirmés. Il Lillestrømsko Stadion L'objectif est de Neder. s'imposer de nouveau pour marquer 6 points Donc, en dehors de la FUT zone tout à l'heure. 19 Live, Hervé Matoupé, Ménesson, les commentateurs, la présentation des arbitres, des joueurs du stade, La sécurité présentation de est tout ce qui assurée. a rapport avec le On se match. pointe Guys, capable coup d'accueillir d'envoi à l'instant, 18 500 c'est parti. personnes. Non, non, non. Oh, il Oh, oh, le ballon what? pour le gardien magnifique. Oh, what? Je le mets pas. Le gardien bougeait pas, moi je pensais que c'était pas quadré. Puis en plus, c'est qui a tiré? C'est pas Martins? À moins que genre dévie L'équipe est dessus. plus forte, qui est donc logiquement What? récompensée. Techniquement, ils sont supérieurs depuis le début. What? Ils ont Qu'est-ce que créé c'est beaucoup pas? d'occasions. Hein? C'est On Martins voit qui a... bien un nouvel angle de vue C'est pour la Martins qui a sortie. kické? Comme ça, c'est De Bruyne qui a eu le but. What the Et ça fait fuck? donc 1-0 au tableau d'affichage. Il y a un bug ou what the fuck? Bon. Il l'a dit un peu, yeah. De Bruyne. Belle balle. Nelson Martins. Oh fuck, Allez, le j'allais tir donner à mi-temps. Rodrigo, mais c'est pas grave, c'est halftime. Seulement un but, on gagne, c'est ça l'important, mais va falloir marquer plus parce que, disons que, un c'est pas Nelson assez, on pourrait se faire pour remonter 45 ou égaliser. minutes. Donc Oui, un voilà, coup de main guys, let's go. sifflé à l'instant. Dernière action, si. Ah oui, il cherche à Non! partir dans la profondeur. Non! Ah oui, Non! c'est le jeu. Oh Fiu, une chance qu'il fait la passe. Oh, il est trop La con. passe est interceptée. Oh, il est trop con. Il partait en Et échappée. voilà, c'est fini. Il partait en échappée. Oh, il partait en échappée. Putain, j'ai cru que j'allais me faire encaisser un esti de but d'égalisation à la dernière minute. Oh, j'ai tellement eu peur. Merci Dieu, il a fait la passe. Peu importe, et voilà, guys. 3 matchs, 3 victoires. Il en reste 6 à aller chercher. Allez, guys, on lâche pas. Ok, les amis, quatrième match de notre saison en Division 2. Quatrième match de l'épisode, on joue à Alors, bien domicile sûr, c'est un petit peu plus contre lancé, mais Tromso attendez. Hill au Estadio Et le Santiago ballon en touche Bernabéu sur en cette mode équipe qui champion. est Donc les 4 premiers matchs, c'était des fantastique, matchs si tu peux le champions. dire, Harvey.
4 victoires. Et le prochain match, ça va être un match en légende, donc ça va être plusieurs. Présentation des joueurs, des stades, des équipes, des joueurs, des arbitres, blablabla, présentation du staff, présentation de tout ce qui a rapport avec le match, et coup d'envoi à l'instant, guys, c'est parti. Lance-toi. En retrait. There we go. First goal of the game. Yes sir, guys. 10 minutes, on ouvre le score. Ça va bien. Let's go, guys. On lâche pas. Et oui, on l'a repris. Vas-y, en finesse, s'il te plaît. Un autre esti d'arrêt. Oh 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 oh. J'ai tenté au calme. Oh oh, let's go. Il était complètement sorti de son but, c'est pour ça que j'ai voulu tenter. Et ben. Wow, quand même un but assez sick pareil. Yes sir. KDB qui nous termine ça au KLM. Let's go, guys. On lâche pas. Oh, juste avant la mi-temps en plus. Yes sir, big. Yes sir, big. Biggie, yes sir. Yes, on mène 2-0, guys. Est-ce qu'on lâche pas? Arrêtez de courir. Merci. Live. Oh oui, le! Let's go! Enfin, les centres ont payé. Hoppa! Boom! Yes, sir, guys! Enfin! On se finit dans tous les cas. Et voilà, guys! Quatrième match, quatrième victoire! Wow, yes sir! Au KLM! Qu'est-ce que je dis? J'ai rien à dire, man! Il reste 5 victoires à aller chercher. Let's go, les amis, on lâche pas pour cet avant-dernier épisode de la série. Let's go, guys! Cinquième match de la de l'épisode de notre série FIFA 19. Model Team Team saison solo. What the fuck? Oh, je sais plus quoi dire. Je veux dire, ben, c'est le cinquième match de notre saison en division 2. Donc, on est officiellement à mi-parcours, à mi-chemin de l'épisode. Ça va bien. Même chose que dans la présentation de Toul. Coup d'envoi à l'instant. Let's go, guys. Dembélé. Allez, fini. Let's go. Boom, 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 let's go! Dembo qui ouvre le score en ce premier match en légende de notre de l'épisode. Guys, on lâche pas. C'est bon, on revient au gardien, man. Au calme. Non! Aïe, qu'est-ce qu'il fait là? Ce... Oh, il y a hors-jeu! Oh, il y a mal! Oh, il y a hors-jeu! Phew! Oh, si je suis con, mais... Je suis tellement... Yo, je l'ai jamais vu le gars, je pensais que Carvajal était tout seul. Ah, oh, j'ai été chanceux. Parce que si égalisé, ça aurait été très grave. C'est bon, on est sorti de là. T'as l'espace. David Silva. Let's go! Voilà. 2 à 0. Grâce à KDB qui... écarte le score encore plus. Let's go, guys. On est chaud. On lâche pas. Ousmane Dembélé. Allez, il va pouvoir... Fini, s'il te plaît. Let's go. Poteau rentrant. Ça touche le poteau avant d'entrer. Chat. Ce qui était beau, pareil, David. Let's go, on lâche pas. Dembouz, voilà. J'aime ça. Allez, là, fini. Oh my god. Non! What? Et pourtant très bien exécuté avec un peu de réussite. What? Qu'est-ce? Non! Bon, pourquoi je chiale, man? On mène 3-0. Puis. C'est la mi-temps, il reste une mi-temps, guys. On est à mi-chemin officiellement de la série, de la saison, je veux dire. Il reste dans le fond, on a déjà joué 4 matchs et demi. Il reste 4 matchs et demi. Donc, 9 autres mi-temps. Let's go, guys, on lâche pas. Est-ce qu'elle vous a plu? J'ai bien aimé la première période qu'il vient de faire. Il est allé no way. Qui permet à son équipe de mener, d'envisager. No freaking way. Ça arrive juste en légende. Hein. C'est toujours ça. Ça arrive juste en légende. Une chance qu'on ait 3 buts. Voilà. Ok, c'est un but, s'il te plaît.
Yo, il est tout seul, 6 points. Voilà, au calme. Wissam Ben Yedder. 4-1, guys, en légende, en passant. Contre une équipe 2 étoiles, mais bon. Alors, lâche pas. Pas au milieu, reviens. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. J'ai joué. Oh, si, j'ai joué à fucking balle! S'il te plaît, pas de rouge. Ok, rien, il va rien donner, je pense. C'est ça, il a rien donné. Bon. Une chance qu'on mène 4-1. Oh, tabarnak. Hey, fuck you, man. On skip ça, là. 4-2. Avance de début. Et voilà. Non, c'est pas fini. Là, c'est fini. Yes, sir, guys. 5 matchs, 5 victoires. Il reste donc 4 matchs. 4 victoires à aller chercher avant la fin de l'avant-dernier épisode. Yes, sir. We're doing well, actually. We're doing well. Ça va bien. 15 points. Il en reste 11 à aller chercher. Donc, 11, c'est 4. 12 points, donc 4 victoires. Donc voilà, guys, let's go. J'ai quand même pas mal de cash, hein, avec quelques points FIFA. Mais bon, let's go, guys. On lâche pas. Alright, everyone. 6e match de notre saison en Division 2. Yes, sir. On affronte à domicile. Alors, donc au stade Santiago Bernabéu. FK Bodoglim. Quelque chose de même. Donc c'est ça, présentation des commentateurs, des arbitres, des joueurs, du stade. Du staff, tout. Coup d'envoi à l'est, les amis. Let's go, guys. Allons chercher une autre victoire. À chaque fois qu'il récupère et dégage, je sais pas pourquoi. Oh oui. Let's go. Here we go. First goal of the game. Attends, c'est dommage facile. Je joue-tu en champion? Je sais pas, mais je trouve ça tellement facile. Ça c'est bien la sérénité en ces moments-là. Il a placé le ballon sur la droite du gardien. Bon, beau but de KDB. Let's go, guys, on lâche pas. There we go, deuxième but du match. Let's go, calme. Je l'avais prédit d'avance là. Il y avait un beau trou au milieu. Ben Yedder l'a exploité et voilà. 5 de même. Let's go, guys, on lâche pas. De Bruyne, Gelson. There we go, beau jeu. Let's go. Oh, il trompe le gardien, magnifique. Beau jeu pareil. Doublé de KDB déjà. Yes, sir, guys. Donc, à leur avantage. Ah. Ok, non, gros, c'est classe, c'est du professionnel, ça là. La frappe. Oh, c'est trop facile. Un de plus. C'est trop facile. Non mais dégage. What the fuck, c'est ben trop facile. Quand on récupère des ballons de même, c'est du pro, c'est sûr là. There we go. Oh, dommage. Oh oui. Il y va tout seul. Un autre but, let's go. Ok. Ouais, quel but, magnifique. Oh, va gagner. Non, pourquoi tu vas là? Pas là. Ce match. Déjà un triplé. Yeah, on mène 5-0 en division 2. Quasi décisif. Un centre peut-être. Oh, il l'a. Oh. Bien sûr. On finit la mi-temps avec cette belle tête. Malheureusement, pas un but. Mais quand même, il était cadré. Mais bon, c'est pas grave. Allez, guys, on lâche pas. There we go. Gelson. Et Dembos qui finit. Let's go. Ousmane Dembélé qui marque. Ah, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Yes, sir. Dembélé qui marque un but malgré son match pas très bon. Let's go, guys. On lâche pas. Voilà, fini. Ben Yedder du match avec son triplé. Donc voilà, c'est bon. 700 crédits en poche. Au KLM, il nous reste donc 3 victoires à aller chercher, les amis.
Et comme j'ai dit, je suis allé checker, on a joué en quoi? En champion. Waouh, ok. On sait quoi, on s'est amélioré ou... Peu importe, guys, il nous reste 3 victoires à aller chercher. Allez, guys, on lâche pas. Let's go, guys, 7e match de notre saison en Division 2, les amis, on affronte à l'extérieur cette fois-ci le FK Ouguesson, donc un oiseau, au stade de l'oiseau. Hervé Matteau, Pierre Ménès, un commentateur, présentation des arbitres, des joueurs, des équipes, du stade, bref, de tout ce qui a rapport avec le match. Guys, coup d'envoi à l'instant de l'autre équipe, c'est parti. No way. Oh, oh my god. Holy sh. Let's go. S'il te plaît. Oh, ce qui est... Oh, ce qui est mauvais. Oh, ce qui est mauvais. Oh, ce qui est mauvais. Oh, c'est... Allez, allez, allez. Let's go. Here we go. First goal of the game, signé Rodrigo. Avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Voilà, bien joué les gars, bien joué les amis. C'est ça, bien joué. Il n'y aurait pas dû contrôler, mais pareil, il a marqué, c'est l'important. Allez, guys, on lâche pas là. Yo, s'il sortait de là. Oh oui, oh oui, let's go. Let's go! Quelle balle de KDB! Rodrigo doublé! C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour Quel but! S'endormir. Wow! Il faut Bien joué de KDB! Et ça fait deux buts. Beau, beau pas, belle passe lobée! Et Rodrigo qui termine ça en finesse! Hein. Une petite tête pas trop forte, mais cadré et dans le petit filet! Allez, guys! On lâche pas! Finalement, je vais pas sortir. Finalement, je vais pas sortir David Silva. On mène 2-0, c'est bien là. C'est sans stress, les amis. Voilà, guys. Let's go, les amis. On lâche pas. Let's go. C'est bon. Move, voilà. Et fini ça. Au calme. T'es sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Hein. Celui-là était vraiment très simple. Très simple, ouais. Vraiment, au début, je stressais parce que je voyais que l'équipe était quand même forte. Laissez faire, les amis. Oh oui, il y a le trou. Attention, on ne peut plus l'arrêter. Attention. Move. Et fini. Oh my god. Oh, il a tellement bien fait ça. Fallait que le poteau gâche tout. Fini, guys. Yes, sir. Victoire 3-0 en légende. Je pense que c'est en légende, je crois bien. Ah yes, j'ai enfin mon bonus crédit de 1500, 1000. Donc voilà, on est à 21 points. Il reste donc 2 victoires à aller chercher. Yes sir, les amis, yes sir. Donc voilà, guys. C'est ça, j'ai joué en légende, je suis pratiquement sûr. Ah, même pas en champion. Mais le prochain est en légende. Ouh, ça va être chaud, mais une équipe moins forte. Mais still, va pas falloir sous-estimer donc. Allez, guys, c'est parti pour le dernier match en légende et l'avant-dernier match de la saison. Et de l'épisode. Ok, everyone. C'est donc l'avant-dernier match de notre saison en Division 2. On affronte à domicile aujourd'hui Ranheim Football. Donc, Grill. Ok. Match en légende en passant. J'ai mis du form pour m'assurer que tout est beau. Let's go, guys. On souhaite bonne chance. Rodrigo. Essaye! Let's go! Oh oui! Let's go! First goal! Quel but pareil! Wow! Oh, ça te fait mal au dos ça! Lui est gaucher, hein? Je sais qu'il est gaucher, c'est pour ça que... Dès qu'il est sur sa gauche, je tire! Beau but, ça part bien! Let's go les amis, on lâche pas! There we go! Martins! Oh, ça a frôlé la transversale. Oh, t'es pas sérieux. Martins. Oh. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Quelques petits gestes techniques. Et fini, s'il te plaît. Let's go. Oh, oh, il attrape le poteau. Oh, ça se peut pas. Par le gardien. On retiendra donc. Eh oui, poteau. Bravo.
pas, ça emmène 1-0, mais c'est pas assez là. C'est sans les jambes, il va falloir marquer un peu plus. Let's go. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. David Silva. Yaki, s'il te plaît. Carvajal. Voilà, essaye. C'est live. Oh, non. Oh, merci. Quel but. KDB a marqué deux poteaux aujourd'hui, je pense. Deux poteaux. Yes, sir. Un but, c'est tout assez logique, hein, Pierre. Boum. Poteau. Et il nous la remet. Le gardien l'a touché, mais pas assez. Et voilà donc pour qu'elle soit déviée en dehors de la du beaucoup d'espace devant. Voilà David Silva, voilà, il a passé, il a tiré, il a pogné le poteau comme il fallait dégager. Fuck sake, on a 3 poteaux en un match. Let's go, 4ème. Non, Paul. Bon, c'est fini dans tous les cas, yes sir. Donc victoire 2-0. Il ne reste donc qu'une victoire à aller chercher. Yes, enfin. 1438 crédits au compte. 24 points, donc il en faut... dans le fond, si on fait les deux prochains matchs nuls... Non, en fait, je vais juste gagner le prochain. Si on voit la liste des rencontres, il en reste deux. Et c'est contre une équipe 1 étoile et demie en champion. Donc en principe, victoire assurée. Allez guys, allons jouer ce dernier match. Yes sir. Avant d'aller en division 1. Ok les amis, dernier match. Yes sir, dans notre saison en division 2. Yes sir, avant la promotion en division 1. Donc le grand championnat que tout le monde entier suit. On joue à l'extérieur contre Chris quelque chose. Hermé Matou, bienvenue sur le commentateur. Guys, je suis vraiment excité parce qu'après ce match, on s'en va en division 1. Yes sir, enfin. Coudon, ça fait je pense 2 mois que j'ai commencé la série. Il était temps, man. C'était long, c'était plate un peu. Let's go les amis. Là, je suis motivé, let's go. Pendant une brèche dans cette défense. Gelson. Allez, come on. Ah, il y a une faute. Oh oui, une faute juste là. Très bien placé. Wow, KDB. Allez, stop les KDB. Je crois que c'est... Non, c'est genre... Il faut que sa tête soit vide, comme ça, disons. S'il te plaît. Oh, oh my fucking god. Ouais, je crois bien que le gardien a été battu. For fuck's sake. Bon, attention, c'est pas fini. Holy shit, une chance j'ai taclé, hein. Parce que je pense que ça c'était proche de rentrer. C'est ça, c'est half time. Voilà, je pense que je vais faire les changements. Donc on va changer 4-1-2-1-2. Ma formation préférée. C'est bon. Et David. Au pire, je pense que je vais laisser David. Je vais laisser ça de même. Et puis on verra si... Oh oui, c'est plus ça. No way. Hein? No way. Let's go. Let's. No. Let's go. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Yes. Let's go. Thomas Meunier. Enfin, un des poteaux. Ça a commencé à casser les couilles, mon gars. Voilà. Très bien frappé ce corner. Le ballon arrive vite et puis devant. Fiu. Merci Thomas Meunier. Merci. Voilà, changer la formation, ça va changer le jeu. Allez guys, on lâche pas. Allez, il faut centrer. Oh oui. Oh, il l'a. Ok. Bon, je voulais faire peu importe. Boom, 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 yes sir. Bon, c'est en fait avec Ben Yedder, je voulais faire un tir et il a fait une passe à la place. Right, thanks. Let's go guys. Voilà, on lâche pas. Oh wow. On va centrer. Oh, il l'a eu, est. Ouais, de la tête, c'est superbe. C'est que je suis niaisé, man.
tout y est sauf coup de tête, le timing, la précision et évidemment. Mais là, c'est fini, on y est plus là. S'il marque un autre but là, on est dans la merde. Ben Yedder. Et fini s'il te plaît. Ben Yedder. Le titre est dans ses mains. Allez, 2 minutes de bon. Disons que je suis un peu stressé là, si j'ai fallu qu'il marque. Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus. Oh but! Il pensait avoir fait le plus dur en menant, mais l'adversaire reconnaît le score. Non, 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 oh non, oh non. Ils ont égalisé, ils ont égalisé, ils ont fucking égalisé, non. Non, ça se peut pas. Non. Ça se peut fucking pas. Ça se peut fucking... Non, je rêve. Belle rencontre, un score de parité maintenant de 2. Dernière minute. Oh, c'est quoi cette marde? Ça veut dire un autre match... Hey, fuck you, man. Hey, fuck you. Fuck you, man. Hey, for fuck's sake. Ça veut dire un autre match de plus, hein, c'est tabarnak. Je pensais en finir là. Hey, fuck you, man. Oui, les amis, voilà, ben, j'ai joué le dernier match. Et vraiment, j'ai rage là, genre ça me tentait pas de le filmer. Donc voilà, j'ai joué le dernier match. Comme vous voyez, Ben Yedder, c'est l'homme du match. On a gagné 7-1, comme vous voyez derrière. Ben Yedder, 3 buts. Rodrigo, je crois, il en a fait 3 aussi. Je me souviens plus trop. Vous pouvez voir les actions ici. Oh, ça m'a fait chier. Le premier but du match, c'est ça. Ah, ça va rentrer, ça y est. Le premier but du match, volé de là. Hey, ça m'a fait chier, mon gars. Oh, c'est tabarnak. Donc, c'est ça. Je sais pas s'il monte tous les buts. Voilà, ben gars, je vais vous laisser voir ça. Comme ça, vous allez voir tous les buts, c'est quoi. Donc, voilà, ici, on égalise. En fait, c'était le deuxième but. On avait fait 2-1 ce but-là, ouais. En fait, je pense qu'il y a les moments forts. Donc voilà. Voici les... Ah, oh, de KDB et Rodrigo, les deux ont le doublé. Ben Yedder, 1 but. 3 buts, je veux dire. Donc voilà. On est champion, donc on passe en division 1. Je suis bien content, mais ça m'a fait chier, vraiment. Donc voilà, moment fort. Donc voilà. En fait, je vais vous montrer chaque but. Voici le premier but. Ici. Le tir. Ah, ça va rentrer. Le premier but, c'est ça qui est arrivé. Ah, ça m'a fait chier quand j'ai encaissé ça, mon gars. Voici ici le but qui nous met à l'avance. Je sais pas, ils ont mis où le but égalisateur. C'est KDB, en fait, c'est un tir de loin de KDB, donc voilà. Oh, ce but-là était bizarre. Ça a dévié sur Ben Yedder et c'est rentré, lol. Voilà, ici le deuxième but de KDB. Assisté par Ben Yedder. Le deuxième but de Ben Yedder, ici, tout seul. Dans le fond, Rodrigo qui a été contré, et donc voilà. Ensuite, ici... Deuxième but de KDB. Voilà. Beau jeu de la part de Rodrigo. Et finalement, un but à la dernière minute pour Rodrigo qui creuse l'écart avec un magnifique crochet et une finition parfaite au calme. Donc voilà, guys, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça m'a donné une idée. Je pense qu'à partir de maintenant, chaque fois, je vais faire ça. Comme ça, le montage va être moins long. Je vais vous montrer les buts. Parce qu'en gros, je vais juste vous montrer les buts. Donc voilà. Donc c'est ça les amis, 28 points donc, titre remporté, 4100 crédits, un pack jumbo, premier bronze, bon on s'en calisse un peu. Donc voilà, on est donc en division 1 officiellement, yes sir, donc voyons voir, ouh, première, ouh, division 1, ça a pas l'air facile. Il donne tout 2000 crédits sauf lui, 3500, 28, il faut tout 28 matchs. 28... Oh, ok, donc c'est... Si je fais un... Oh, ça sera pas facile. On joue-tu contre des grosses... Oh, pareil. AS Roma, en pro. Oh, c'est pas tendu, par exemple, pro champion. Ça se fait assez facile.
On joue contre le Real à un moment donné. On joue en Bayern, la Juve. Mais les matchs en légende, c'est pratiquement sûr, j'ai peur. Et donc voilà. Même si on gagne pas, même si dans le fond, même si on gagne pas le championnat, Pike Bundesliga, premier or. Pike premier or. Pack PL premium or, ça donne des packs. Pack jumbo au tabarnak, c'est ligue ultime. Tabarnak, oublie, je joue pas là-dedans, man. Quand, un contre des équipes 5 étoiles, je peux pas gagner. Champion légende, ok, non, c'est ça. On va prendre tournée mondiale, tout simplement. Donc c'est ça, guys, on va prendre tournée mondiale, j'ai quand même pas mal de crédits. Et on a un pack à ouvrir, donc voilà. Donc c'est ça dans le fond pour la prochaine épisode. Dans le fond la dernière épisode, la série, ça se peut que je fais juste. Si jamais genre j'ai marqué plein de buts là. Genre 40 000 buts. Genre si admettons il y a plus que 5 buts dans le match, je vais faire un résumé comme je viens de vous faire, vous comprenez? Donc je vais vous montrer juste les buts. Donc je pense que c'est ça que je vais faire, ça va être mieux. Donc de cette façon le montage va être moins long et pour vous aussi ça va être moins emmerdant. Mais si par exemple le match a juste fini comme 2-3-0, 3 buts d'écart, quelque chose de même, là ça va pas me déranger, là je vais montrer le match au complet, donc voilà guys. Donc c'est ça les amis, c'est ce qui conclut l'épisode, on va juste changer la team un peu. Il reste donc, voyons. Un épisode officiellement. Yes sir, on est content, on est tous contents, ça va bien. Donc on est enfin en division 1, première division. Yes sir, je vais mettre quelqu'un contre, on va changer la team. Donc viens-t'en ici, Eden Hazard. Martin, je préfère Martin que Dembouz pour de vrai, mais je pense que ça baisse. Ça baisse, mais si je fais ça, ça revient à ça. Voilà. Et on va mettre Loris ici. Hugo Loris que j'ai en prêt, que j'utilise pratiquement jamais. Donc c'est ça, guys. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Bref, faites tout ce que vous pouvez pour m'encourager. C'est vraiment très apprécié. Jetez un petit coup d'œil dans la description et la carte que je vous ai tous intégrée. Donc sur ce, everybody. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc le dernier épisode de notre série. Donc bon, on est le 14 décembre, je pense que je vais l'upload comme en fin de semaine. Et donc en tout cas pendant les vacances de Noël, c'est certain que je la fais. Donc voilà guys, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour la dernière épisode. Là, elle va être un peu spéciale. Je vais vous expliquer comment ça va marcher. Allez, ciao tout le monde. Oh, oh.